Ah bah c'est pas gagné, hein. Dis-moi, est-ce que tu peux me prêter ton petit GPS? Ça marche avec les vibrations, hein, c'est ça? Oui, c'est avec vibrations. Ouais, c'est comme les cotons-tiges. C'est juste pour les bonbons. Ça, c'est la première fois que ça me fait ça. Il est juste, mais dans le P. Ouais, c'est dans le P. C'est un contre-P, ça, encore. Si tu vois vert au milieu, c'est que... Voilà, c'est bon. Mais P, c'est quoi, comme note? Bah, c'est vrai à toi. Ça, c'est vraiment de l'impro, là. Il n'y a pas que toi qui est en kit. Chaque fois, c'est pareil. Oh, ça fait mal. Non, tu peux pas m'aider là. Je vais vous jouer. Perds pas, hein, je la remets parce qu'après j'aurai un sein qui tombe et l'autre qui retourne pressé, ça va se voir. Hein. Ça fait un déséquilibre, tu sais, dans la silhouette.
Tu as déjà perdu des baleines? Non. Qui n'a jamais perdu une baleine? On ne parle pas assez des femmes. Hein. Je pense que ça arrive à tout le monde, mais quand ça nous arrive, on est vachement gêné. Mais bon. Vous avez vu comment ça fait hein? Il paraît que c'est parce qu'on met les sous-titres dans la machine à laver que c'est pas bon. Il y en a qui mettent pas de baleine, mais moi j'ai les seins qui tombent. Donc, bon. Je vais vous jouer un air qui s'appelle I'm asleep. Pas I'm en sleep, non, I'm asleep, ça veut dire je suis endormie en anglais. Sleep, ça veut dire dors en anglais. C'est ça, c'est dormir. Hein. Sleep. Tout sleep, tout sleep, c'est pas dormir. C'est pas le kangourou là, c'est pas. I'm asleep, ça veut dire je suis endormie. En fait, c'est un truc très triste, c'est un jeune homme qui a perdu sa fiancée. Et il dit surtout ne me réveillez pas parce que c'est par le rêve que je peux la rejoindre. Donc c'est quand même assez triste, il ne faut pas trop déconner là-dessus. Quoi. Mais c'est un air que j'aime bien jouer dans les églises avec accord de but, mais il faut vraiment accorder les bourdons quand même.